Go. Salut les gars, donc je me suis mis en combinaison pour l'occasion à la maison parce que je voudrais vous montrer quelque chose sur la ceinture de plomb que je vois souvent sur les photos. Des mecs qui doivent se casser les reins et en fait la ceinture qui n'est pas forcément bien mise et pas forcément bien adaptée. Donc en fait déjà prendre une ceinture marseillaise pour pas que la ceinture glisse. Et donc sur les Marseillaises déjà vous la coupez à la longueur. Vous ne laissez pas un bout de 40 cm, vous la coupez, voilà, de quoi prendre la main seulement en cas d'urgence, c'est largement suffisant. Ensuite je vois trop souvent sur les photos les mecs qui présentent leur poisson, les ceintures qui sont à la taille, serrées comme un ours ici. Donc ça vous comprime l'abdomen, donc ça vous empêche d'avoir une capacité respiratoire optimale. Ici ça vous pète le rein quand vous êtes en. Ça vous pète les reins, parce qu'en surface, ça vous écrase les reins. Et donc, si vous n'avez pas une Marseillaise, en fait, la ceinture elle tourne et vous avez les plombs souvent, c'est pas vrai. Aussi, de cette façon, ben, vous avez beau la serrer, la ceinture elle revient dans le dos quand vous faites votre canard. Donc, le petit truc à faire, c'est déjà bien équilibrer les plombs sur la ceinture. Prenez un morceau de drisse comme ça. Vous faites une boucle et sur la boucle, vous la passez sur un plomb. Vous n'avez pas besoin d'enlever les plombs. Vous passez comme ça. Hop, je vais la mettre bien. Voilà. Hop, comme ça. Donc je la remets sur moi. Alors la voie, elle est ici. Vous serrez votre ceinture sur vos hanches, important, sur les hanches et pas trop, de façon à ce qu'elle soit bien calée sur les hanches. Donc là bien sûr elle flotte, donc déjà vous la sentez plus sur vos reins, nickel. Le petit bout de drisse, ça vous fait un string avec. Alors pour l'occasion j'ai rentré la pissette, hein, pour pas choquer les gens et pour éviter les commentaires, hein. Donc la petite boucle vous la passez ici, si tu peux zoomer, si tu peux... vous passez l'autre petite boucle ici, hop, pour passer la boucle, et voilà. Là, en cas de problème de sécu, hop, vous tirez, tac, ça part. Donc la ceinture, elle reste largable. Je le refais, hop, ça remet là. Tac. Donc ici, la ceinture, elle est bloquée comme ça. Vous pouvez faire votre canard, la ceinture, elle remontera pas dans le dos. Elle est calée sur les hanches, vous la sentez plus du tout. Vous êtes dans l'eau, vous la sentez même pas. Là, vous l'avez sur les fesses, sur les hanches. Je peux vous garantir que comme ça, ça fait plus d'une dizaine d'années que je penche comme ça. C'est un petit clin d'œil à Marc-André Mounier qui m'avait montré ça, la technique. Et important, couper le bout de votre ceinture. Ne jamais mettre le surplus de votre ceinture comme on voit souvent ici. Là. En cas d'urgence, si vous avez besoin de larguer, c'est même pas la peine. Donc là, vous laissez prendre 10, 15, 20 cm. C'est largement suffisant. Vous tirez, hop, la ceinture est là. Donc voilà pour la petite vidéo. J'espère que ça vous aura aidé pour préparer le matériel. Allez, ciao!